Ici Anne Abilan de anneabilan.com. Ici, on se nourrit que du bon. J'ai changé ma formulation et maintenant c'est vraiment plus adapté à ce dont je parle sur ma chaîne. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler du défi, du super défi que je lance pour le mois de juillet, tout le mois de juillet. Et en fait, avant de parler de cela, je vais vous présenter ce que je mange. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, depuis le début de l'année 2019, après avoir vu les 200 livres sur ma balance, je me suis lancée dans le jeûne intermittent et j'ai commencé par la méthode du 16-8 que la plupart des gens font. J'ai implémenté ça et j'ai évolué en réduisant mes plages où je mange, mes plages horaire où je me nourris, et aujourd'hui en fait je suis arrivée au OMAD, 1 meal a day. Donc OMAD en anglais c'est 1 meal a day, qui veut dire simplement un repas par jour. Donc au jour d'aujourd'hui c'est cette routine là que j'ai. Et avant de vous parler de défi qui va être lancé pour le mois de juillet, parce que il sera question du OMAD, de vous aider donc à pratiquer cela pour tous les bienfaits vraiment que ça apporte dans l'organisme. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler de tous les bienfaits. On aura l'occasion d'en parler durant tout le mois de juillet. Mais je vais vous présenter un peu mon plat en fait, mon repas. Comment est-ce que je vais me nourrir aujourd'hui et à quoi vous attendre durant donc ce défi. Alors pour commencer, aujourd'hui j'ai fait un smoothie. Un smoothie dont j'ai un grand verre de smoothie. C'est un smoothie avec des fraises et un petit peu de banane. J'ai mis aussi le lait d'amande parce que c'est ça que je prends, et puis la poudre de protéines. Ensuite, j'ai une grosse salade, j'ai un gros plat de salade. Aujourd'hui, j'ai opté pour des choux et des carottes. Je vais mettre un peu de vinaigre balsamique. Donc, en fait, c'est ça pour la salade. C'est un grand plat comme ça que je mange. Et mon plat principal, c'est le petit frère de ce plat. C'est ça. Et là, aujourd'hui, je suis partie pour un repas typiquement africain de chez moi. Donc, c'est du haricot. On appelle ça le koki avec du plantain. Donc, ça, c'est typiquement vraiment africain. Et donc, j'ai ma salade. Et pour finir, je vais avoir ma petite gâterie. Normalement, je prends une gâterie je conseille pas plus de 100 calories, mais ici, c'est 2 barres en fait, donc je pourrais manger juste une. Donc, c'est à peu près ça, c'est à peu près ce style de manger qu'on peut s'attendre dans le défi. C'est juste pour montrer que on peut aussi faire un défi 1 meal a day en mangeant vraiment selon sa culture, en mangeant vraiment comme on est habitué et être bien et perdre du poids. Alors, maintenant pour entrer dans le vif du sujet, le défi. Alors, j'ai préparé quelque chose pour vous aider dans ce défi-là de OMAD, un repas par jour durant tout le mois de juillet. Parce que, officiellement, nous sommes à l'été, l'été est arrivé. Et puis, si vous avez pris du retard dans vos objectifs, il est encore temps, il est encore temps de vous booster un petit peu. Alors, j'ai préparé en fait un menu pour vous aider si vous en avez besoin, des idées. Pour donner des idées pour comment vous pouvez donc préparer, apprêter ce repas là, qui est ce festin en fait, parce que comme vous pouvez voir, moi j'ai un festin là que je vais consommer, je vais me régaler tout de suite. Donc c'est en fait un menu que j'ai préparé pour vous aider dans cela, et j'ai apprêté dans ce document de 10 pages où c'est très simple, très coloré comme vous pouvez constater. Et vous pourrez voir, et donc en fait je vous montre juste comment ça se présente à l'intérieur. Donc voilà à quoi vous pourrez vous attendre à l'intérieur. C'est simple, il n'y a pas trop d'écriture, il y a des belles photos de repas. Et ma photo que j'aime. et voilà, des bols. Et donc, ici, les 4 dernières pages, en fait, nous avons effectivement le menu, donc par jour, ce que je vous suggère de manger avec les portions, avec les quantités. Et donc, on a une semaine, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est pour un mois. Et en fait, quand le mois finit, on peut juste recommencer le mois d'après et jusqu'à ce qu'on atteigne son objectif. Ça, c'est un menu qui a été testé par moi. Moi, je suis une personne qui perd
pas facilement le poids. Donc, si je teste quelque chose et que ça marche, ça veut dire que ça fonctionne. Ça veut dire que ça fonctionne. Et là-dedans, dans ce menu-là, en fait, le principe, c'est que chaque jour, on a dans chaque repas, on a un fruit au moins. On a un grand bol de salade chaque jour. Et on a son plat principal qui n'est pas aussi gros que le plat de salade. Et on a sa petite gâterie vraiment pour se faire du bien. Parce que souvent, dans les programmes de régime, on voit juste de salade, on voit juste des choses. Ok, c'est bon, mais c'est comme à la fin, on sait si on veut avoir quelque chose qui nous plaît tellement et qu'on l'a pas ou c'est un peu comme si quelque chose nous manquait. Et dans ce régime-là, on mange des féculents. Donc, il y a des fois où vous pourrez manger du riz, vous pourrez manger du plantain, vous pourrez manger tout, un peu de tout. Mais c'est au niveau des quantités que tout va se jouer. Et là, je suggère dans les quantités qu'il faut prendre si on veut perdre. Et donc, le menu, donc, c'est beaucoup plus pour les femmes parce que pour les hommes, je pense qu'ils doivent augmenter un peu plus ces quantités. Ça dépend aussi s'ils sont sportifs. Donc, ça, c'est beaucoup plus adapté un peu plus aux femmes parce que le nombre de calories maximales du menu ici, c'est 1200 calories. Mais vous pouvez augmenter si pour vous, si vous pouvez aller jusqu'à peut-être 1300, 1400 et perdre, vous pouvez augmenter. Donc, en fait, ça, c'est mon titre indicatif et j'ai testé ça. Ça fonctionne absolument. Donc, quelque chose d'indispensable que vous devriez avoir, c'est une balance culinaire comme ça. C'est une balance. Ça se voit un petit peu partout parce qu'il y a des choses qu'il faudra peser, surtout les féculents. Moi, personnellement, j'ai toujours été contre le fait de peser les aliments, de compter les calories. J'ai été contre pendant longtemps. Et quand j'ai commencé dans ma méthode du jeûne intermittent, au début, j'ai perdu beaucoup et assez rapidement. J'ai perdu comme 20 livres assez rapidement. Les 3 premiers mois, c'est parti. Mais après, j'ai fait du plateau. Parce que ben justement, je ne voulais pas compter, je mangeais à peu près un peu n'importe quoi. Je mangeais santé parce que je mange santé quand même de façon habituelle, mais au niveau des quantités, parfois je pouvais déborder, ce qui fait que je stagnais, je ne bougeais pas beaucoup. Alors que je me suis rendu compte que lorsqu'on essaye de monitorer, de peser ces aliments, là, on a plus de contrôle. Là, on peut un peu plus vraiment jouer et voir l'évolution. Donc, c'est pour ça que je conseille ça, en tout cas dans ce programme, d'utiliser une balance, d'utiliser aussi une application pour enregistrer tout ce qu'on mange, comme My Fitness People, je pense, My Fitness Pal, donc que j'utilise et enfin que je recommande. C'est une très bonne application qu'on peut utiliser, la version gratuite, ça sert aussi. Donc, en fait, ça sera ça le grand défi. Et comme je vous ai montré, il y a donc ce menu d'un mois que j'ai apprêté avec amour pour vous. Et c'est un prix vraiment dérisoire, c'est donné cadeau. Moi, j'ai eu à payer déjà plusieurs sommes d'argent pour avoir des menus pour savoir comment m'alimenter et perdre. Et ça n'a pas toujours fonctionné. Donc, avec toute l'expérience que j'ai et du fait que partant de 200 livres, je suis en train d'aller à pratiquement 30 livres de perdu, je peux dire que j'ai de l'expérience. Donc, c'est en tout cas pris cadeau. Si vous voulez faire ce défi avec moi, je vous invite à vous lancer avec moi dans ce défi durant tout le mois de juillet. On commence au 1er juillet. C'est vrai, ici au Canada, c'est la fête nationale du Canada. On va pas faire des folies ce jour-là. On va commencer à être un petit peu plus sérieux. Comme ça, on a tout le mois de juillet pour se rattraper si depuis le début de l'année, on n'a pas pu tenir notre objectif de perte de poids. Donc, c'est ça en fait. Le grand défi, je vous invite à me joindre dans ces défis-là. Et donc, on commence au 1er juillet. Et en fait, c'est ça que je voulais vous parler dans cette vidéo. Si vous avez trouvé un intérêt, si faire le défi vous intéresse, vous pouvez donc me rejoindre sur ma page Facebook, Anne Abilon. C'est
c'est ma page. C'est parce que c'est sur cette page que je vais publier plus régulièrement les détails par rapport aux défis, des petits trucs, astuces, des conseils sur les repas, des choses. Vous allez voir beaucoup, beaucoup de choses sur ma page. Alors, si ça vous intéresse, rejoignez-moi, aimez ma page, likez, cliquez sur les notifications et vous allez voir tout ce que je vais publier pour vous aider à bien mener ce défi. Vous pouvez aussi vous procurer mon menu, le menu que j'ai apprêté. Mais vous n'êtes pas obligé, mais si vous voulez, si vous avez besoin de directions, vous pouvez vous en procurer. C'est seulement 10 $. Seulement 10 $, donc c'est vraiment prix cadeau. Vous pouvez donc vous procurer de cela. Et puis, voilà. Je pense que nous allons avoir du fun durant ces défis. Donc, si vous avez aimé, en tout cas, cette vidéo, ce partage, je vous demande de liker, de partager et de vous préparer dès maintenant à faire ce défi avec moi si ça vous intéresse. Et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite des bonnes choses. À bientôt. Je vous souhaite en tout cas de vous nourrir du bon. À bientôt. Bye bye.